Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et très content de vous revoir de nouveau sur cette chaîne. Dans cette vidéo sur la programmation Arduino, nous allons réaliser un système d'arrosage automatique. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Alors ici, nous avons donc notre schéma de montage. Alors pour cette vidéo, on aura donc besoin d'avoir un écran I2C où nous allons donc afficher les valeurs de mesure. On a besoin de deux LED qui vont donc nous servir d'indicateurs. Donc, dans la vidéo, je vais utiliser le rouge et le vert. Et un capteur de mesure d'humidité du sol qui va donc nous permettre de mesurer l'humidité du sol. Donc, après cela, on aura donc besoin d'une pompe. Donc, le schéma de montage se trouve ici pour la pompe qui va donc nous permettre d'arroser. Alors, ici, la pompe, j'ai juste eu à représenter le moteur qui entraîne la turbine. Donc, c'est tout un système. Donc, ce n'est pas deux chemins de montage différents, c'est juste le même chemin de montage sur la même carte. Mais pour éviter de saturer le chemin, donc j'ai préféré séparer ça en deux. Mais lorsque vous allez réaliser votre chemin de montage, en tout cas, c'est sur la même carte et connectez les choses ensemble. Voici donc notre chemin de montage. Donc, comme je le disais, sur ce chemin, la pompe n'est pas représentée. On va le voir tout juste après. Donc, en ce qui concerne notre écran LCD, c'est un écran LCD 16 colonnes de ligne. Donc, on va le connecter respectivement aux broches SDA et SCL. On peut faire comme j'ai eu à faire sur le chemin ou encore utiliser les broches A4 et A5 qui correspondent respectivement aux broches SDA et SCL. Donc, en ce qui concerne les LED, j'ai juste eu à utiliser une résistance commune montée au niveau de la cathode, donc au GND. Et les LED sont connectées respectivement aux broches 4 et 5. Donc, en ce qui concerne la pompe, c'est un pin PWM que j'ai eu à utiliser, donc le pin numéro 3. Ce n'est pas représenté sur ce chemin, mais je l'ai représenté ici. Donc, c'était juste pour éviter de saturer le chemin que j'ai eu à le mettre à part. Mais c'est le même chemin de montage. Et en ce qui concerne donc notre capteur d'humidité du sol, donc ça a 4 pins, 2 pins d'alimentation, le GND et le 5 volts. On va connecter aussi respectivement au GND 5 volts au niveau de notre Arduino. Et 2 pins de mesure. Donc ces 2 pins qui vont donc nous permettre de recueillir les données. Donc on a une broche digitale qui est appelée D0 au niveau de notre capteur d'humidité, bien sûr. Et une broche analogique qui est appelée A0, toujours au niveau de notre capteur d'humidité. Alors, comment ça fonctionne? Le capteur d'humidité du sol va donc nous permettre de mesurer l'humidité du sol à partir de la conductivité électrique du sol. Donc, au niveau de notre capteur, on a un potentiomètre qui se trouve à ce niveau. Ce n'est pas trop visible, mais au niveau de votre capteur, vous allez bien remarquer qu'il y a un potentiomètre. Ce potentiomètre va donc nous permettre de régler le seuil de détection. Donc, au niveau de ce programme,
Donc, le seuil de détection va donc nous permettre, une fois qu'on dépasse le seuil de détection, donc une fois que l'humidité du sol est inférieure au seuil de détection, cela va donc nous permettre d'activer la pompe. Donc, on va donc connecter la broche D0 au pin numéro 2 de notre Arduino. Et on a aussi une broche analogique à 0 au niveau de notre capteur d'humidité. On va aussi connecter au niveau de la broche analogique à 0 de notre Arduino. On peut le connecter n'importe où tant que c'est une broche analogique de notre Arduino. Alors, cela va donc nous permettre de mesurer précisément les fluctuations de mesure au niveau du sol. Donc, voilà un peu en gros comment ça marche. Et en ce qui concerne la pompe, donc voici donc comment je l'ai connecté. C'est connecté au pin numéro 3 de notre Arduino. Et c'est le driver que j'ai à utiliser pour le contrôler. Donc, le chemin de montage se trouve à ce niveau. Donc, c'est un LN298, si je ne me trompe pas. Donc, ça peut contrôler deux moteurs. Donc, en ce qui concerne le fonctionnement du driver, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails du fonctionnement, vu que ce n'est pas le but de la vidéo. Mais on va donc apprendre à l'utiliser directement selon l'utilisation qu'on veut en faire dans cette vidéo. Prochainement, je réaliserai peut-être des vidéos sur lesquelles je parlerai de ça dans les moindres détails. Donc, en ce qui concerne l'alimentation, je l'alimente ici avec 7 volts vu la tension d'alimentation de ma pompe. En tout cas, il faudrait éviter des suralimentations selon ce qu'on utilise, mais comme on peut le remarquer ici, ça peut prendre jusqu'à 35 volts continu. Donc, voilà donc comment se connecter. La broche IN1 est connectée à la broche numéro 3 de notre Arduino et la broche IN2 est reliée au GND vu qu'on va donc utiliser notre pompe juste dans un seul sens de marche. Alors ici on a donc notre pompe qui contient donc un moteur à courant continu qu'on va donc démarrer dans un seul sens de marche vu que le moteur peut fonctionner dans deux sens de marche mais par rapport à notre pompe juste un seul sens de marche qu'on va utiliser raison pour laquelle la broche numéro IN2 se trouve à la bande négative. Donc voilà un peu en ce qui concerne le chemin de montage. Comme je le disais, en tout cas, ce n'est pas deux chemins de montage différents, c'est un même chemin. Pour les raisons de ne pas saturer mon chemin de montage, alors j'ai représenté cette partie à part. On va donc s'intéresser au code. Alors pour débuter, on a besoin d'inclure notre bibliothèque qui va donc nous permettre d'utiliser notre écran LCD. Et à ce niveau, on a la définition de nos pins. Donc ici, c'est le pin digital de notre capteur d'humidité du sol. Là, c'est le pin digital de notre pompe. Et ici, ce sont des pins auxquels sont connectés nos LED. Et ici, c'est le pin analogique de notre capteur d'humidité du sol. Donc à ce niveau, on a déclaré un objet de type liquide cristal I2C qui va donc nous permettre de contrôler notre écran I2C. Donc, à ce niveau, on va définir des pins comme étant des entrées pour des pins qui sont des entrées, notamment les pins de notre capteur d'humidité du sol. Et le reste des pins sont définis comme étant des sorties. Donc, à ce niveau, c'est l'initialisation donc de notre écran LCD. Alors, voici donc ce que fait notre programme principal. Au tout début, on va commencer par recueillir les données de mesure. Comme je le disais tout à l'heure, le capteur dispose donc de deux broches qui vont donc nous permettre de recueillir les données. On a une broche digitale D0 et une broche analogique à 0. Alors, au niveau de la broche digitale, les données reçues sont donc sous forme de deux valeurs. On a soit 0 ou 1, c'est soit à l'état bas. La broche est soit à l'état bas ou à l'état haut. Donc, une fois qu'on va mesurer cela, on va donc stocker la valeur dans la variable que j'ai eu à appeler, celui qui est une variable de type bool. Et en ce qui concerne donc la mesure analogique, donc une fois qu'on va mesurer, donc je fais donc appel à cette fonction analogWith qui va donc me permettre de lire les valeurs au niveau de la broche A0 et aussi à la fonction map qui fait en quelque sorte la règle du 3. Donc, c'est une broche analogique. Les valeurs sont donc transformées entre 0 et 23. Ce sont donc des valeurs qu'on peut avoir à l'entrée. La valeur minimale est de 0 et la valeur maximale est de 1023. Et on va convertir cela dans le sens décroissant, dans les valeurs comprises entre 100 et 0. Donc c'est dans le sens inverse en quelque sorte qu'on va convertir cela. Donc si on met entre 0 et 100, c'est dans le sens positif. Mais par contre, notre capteur fonctionne un peu dans le sens inverse. Donc lorsqu'on est à 0, il doit donc envoyer 100. Donc lorsqu'on est à 0, c'est-à-dire
l'humidité a atteint sa valeur maximale. Donc, on renvoie 100. Et lorsque on est dans des valeurs comprises entre 0 et 1023, l'humidité va donc décroître au fur et à mesure jusqu'à ce que la valeur renvoyée, par exemple, au niveau de la broche à 0 atteint 5 volts. C'est à ce moment-là que l'humidité sera donc nulle. Donc, comme on a eu à le voir ici, comme je le disais, lorsque la valeur mesurée est inférieure au seuil, donc la valeur envoyée au niveau du pin est donc à l'état haut, c'est-à-dire au niveau de 5 volts. Mais ce n'est pas vraiment précisément à 5 volts et c'est ce que la broche analogique de notre capteur va donc nous permettre de mesurer. Donc voilà pourquoi je convertis donc les valeurs dans le sens inverse, allant donc de 100 à 0. À ce niveau, on va donc afficher les informations au niveau de notre écran IDC. Donc, ici, on positionne notre curseur à 0. Donc, première colonne, première ligne, on écrit humidité, on affiche la valeur mesurée, on met le symbole du pourcentage et on déplace le curseur à la deuxième ligne, première colonne. Et après cela, maintenant, on va donc vérifier si le seuil est vrai. Donc, si la valeur mesurée est inférieure au seuil, on va donc démarrer la pompe. Mais avant cela, on va afficher ce message au niveau de la deuxième ligne, deuxième colonne de notre écran I2C. On allume la LED concernée et on démarre la pompe. Donc, au niveau de la pompe, vous pouvez voir que j'ai utilisé la fonction analog write. Voilà pourquoi je l'ai connecté donc au pin PWM. Donc, pourquoi cela? Parce que lorsque je démarre ma pompe, ça tourne tellement vite que ça déverse de l'eau un peu partout. Alors, raison pour laquelle j'ai utilisé la broche analog write qui va donc me permettre de contrôler la quantité du courant envoyé au niveau de la broche. Donc, moi, je l'ai donc mis à 100. Mais la valeur maximale est de 255, donc ça doit varier entre 0 et 255. À vous de mettre la valeur qui vous convient. Et donc, si le seuil est faux, c'est-à-dire l'humidité est supérieure au seuil, on affiche donc ce message et on allume la LED concernée. Alors, pour arrêter la pompe, la valeur mesurée de notre humidité, en pourcentage bien sûr, doit être supérieure ou égale à 70%. Et ce n'est qu'à ce moment que la pompe peut s'arrêter. Alors, à ce niveau, c'est juste un temps d'attente avant la reprise de notre fonction void loop. Alors, voilà un peu en ce qui concerne donc le programme. J'espère que cela vous a été utile et on se donne rendez-vous très prochainement.